La commune de Fès et l'Institut Cervantes ont signé jeudi une convention de coopération portant sur la mise en place d'actions destinées à promouvoir la langue et la culture espagnole. Cet accord entre la commune de Fès et l'Institut Cervantes s'inscrit dans le cadre des efforts visant le renforcement de la coopération entre les deux royaumes. L'Institut joue un rôle important dans l'agenda culturel de la capitale spirituelle au niveau des formations et des expositions. La convention signée vise la promotion de l'enseignement de l'espagnol dans la ville de Fès, en particulier pour les conseillers et fonctionnaires de la commune, et la diffusion des activités d'enseignement sur place et à distance de cette langue. L'histoire de l'Espagne ne peut pas se comprendre sans le Maroc, mais l'histoire de beaucoup de villes de l'Espagne ne peut pas se comprendre non plus sans leur relation avec Fès. Je pense notamment à Grenade. Grenade et Fès sont des villes sœurs et elles ont eu en commun des siècles de relations humaines, de relations artistiques, de relations culinaires, de relations dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour nous parce qu'il faisait pas mal de temps qu'on cherchait la signature de cette convention. Et c'est une convention qui met en papier ce qu'on a déjà fait en réalité, à la pratique. Que c'est d'avoir une collaboration avec la commune de Fès pour les activités culturelles et aussi pour l'enseignement de la langue espagnole. Signé en présence de l'ambassadeur de l'Espagne au Maroc, Ricardo Diez Ochlenter Rodriguez, l'accord porte également sur la diffusion de la culture hispanique, l'organisation d'activités culturelles pour la promotion du rapprochement culturel entre les communautés de Fès et celles hispanophones, et la facilitation de la compréhension et l'entente avec d'autres entités marocaines et espagnoles, privées et publiques, liées au monde académique et culturel.